quelque temps. Pour vous assister, mais aussi pour voir votre valeur. À propos des pouvoirs, il y a combien d'armes royales? Il y en avait 13 au total. Chacune d'elles décorait un tombeau. Mais je ne connais l'emplacement que de quelques-unes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux chasseurs. Leur aide nous est précieuse pour localiser les tombeaux restants. Ah, d'accord. T'as dit qu'il y avait un tombeau dans les parages? Oui, dans les tranchées de Kikatrich. Ce tombeau royal serait situé au cœur de la base souterraine. Les gars, il y a un petit problème par ici. Mais non, tu peux t'en occuper. J'avoue que c'est avec Nord, c'est presque des vacances. Maréchal, beaucoup sont dignes d'un jeune homme. C'est une question d'expérience. Bien longtemps, nous avons mené ici une bataille contre l'Empire. Après ce rude combat, le lieu a été abandonné. Puis ces chiens galeux de l'Empire s'en sont emparés. Comment on fait pour sortir d'un piège pareil? Ils attaquent frontalement. Brillant. Évidemment. Cette fois, la peur va changer de plan. C'est terminé. Ça va faire mal. Prompto, ça va. Tout à fait. Je vais bien, Maréchal. Dis donc, Noct, qu'est-ce qui te prend de jouer contre ton équipe? Arrête de faire n'importe quoi. Une armure Magitech? Dangereux? Il se trouve que ces modèles-là possèdent une force de frappe. La version courte, c'est dangereux. Maréchal, faut être sacrément balèze pour affronter ce truc. Je pense être assez balèze pour en prendre à lui. C'est une blague, elle est pas drôle! Personne ne rit de ta plaisanterie, là. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Prends cette clé. Elle te permettra d'accéder aux autres tombeaux. Trouve tous les tombeaux et récupère les pouvoirs qu'ils contiennent. Ils te seront utiles. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais surveiller l'Empire, afin d'essayer de comprendre ce qu'il nous réserve. Mais ne te soucie pas de moi, concentre-toi sur ta mission. On va s'amuser. C'est compris. Prends soin de toi. Allez, c'est parti. Fais gaffe quand même. Ah, regardez. Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il semblerait que des gens y habitaient. Qui vivrait ici? Ceux qui cherchaient à fuir la guerre, probablement. Ah, c'est pas bête. Je me demande s'il reste encore des réfugiés. Tiens, c'est quoi ça? Un câble? Je me demande où il mène. Il suffit de le suivre pour le découvrir. Un générateur. Oui, ça m'en a tout l'air. J'espère... Génial! Ça marche! Oh! Et la lumière fut. Ah! Je suis content d'y voir plus clair. Attention, sérieux! J'ai failli avoir une crise cardiaque, moi! Oh, j'aime vraiment pas du tout ce bruit! Oh, sacré... C'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous observe. Et que si jamais on se retourne... Bon, fais pas ta mauviette! C'est fermé à clé. Excusez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ou pas? On dérange pas, j'espère. Vous savez, peut-être que des gens sont morts ici. Et que leur âme en peine... C'était quoi? Non, je veux pas savoir. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un joue avec nos nerfs. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je me prépare. Bon, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu peux ouvrir la porte. Ça te va? Allez. J'y vais. 1, 2, 3. Il s'ouvre pas, c'est verrouillé. Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Eh non, mais tu m'ignores ou quoi? Désolé, j'écoutais pas. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est d'ici que ça vient? Ça alors? Quoi? Bah, c'était pas là, ça, tout à l'heure. Et encore une porte verrouillée! On s'y attend. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne très envie de voir ce qu'elle renferme. Ouais, moi aussi. On n'est pas passé par là, si? Je crois pas. C'est un cul-de-sac. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est quoi ça? Qui a éteint la lumière? Non. Tu vois ça comment? On improvise. Pas d'un plan. Désolé.
Eh ouais! Bon bah, le générateur a dû lâcher. On n'y peut rien. On continue d'avancer. Il y en a un autre, là. Ne nous éternisons pas. Adieu ! Belle performance ! Merci. Au suivant. Ah ! Oh ! Fermé. Attendez, c'est quoi ce bruit ? Je sens que c'est la bonne. Mais avec quoi derrière ? Restons sur nos gardes. Pu terminer ce combat plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'où ça vient ?
Donc, il emprunte les pouvoirs de ses ancêtres. Plus ou moins. À ce rythme, il atteindra bientôt le niveau de son père. C'est le roi de l'occasion. Ne cherche pas. J'étais à la recherche des pouvoirs. Ravi de l'entendre. J'ai une mission pour vous. On a découvert que l'Empire a commencé à installer une base dans la zone ouest de Duskae. Il est impératif d'empêcher sa construction. Si nous les laissons faire, la zone ouest sera perdue. Et tu ne pourras plus continuer à collecter les armes royales. Monica a tous les détails concernant cette base. Tu connais Monica, n'est-ce pas? Va lui parler de ma part. Du nouveau? Pas vraiment. Juste un truc de l'Empire à détruire. Monica devrait pouvoir nous en dire plus sur le sujet. Maintenant que tu le dis, j'ai vu un site en construction. Ce genre de base militaire sinistre, on les remarque de loin. Ça va pas être du gâteau de détruire une base entière. On est capable de faire ça, nous? Si le maréchal le pense, ça devrait être dans nos cordes. Mais procédons dans l'ordre. Bon. Commençons par retourner au village. Super, la météo. Ouais, tu l'as dit. Mieux dans un endroit civilisé. Perso, moi j'aime bien le camping. Mais c'est sûr qu'on est plus en sécurité ici. Le maréchal m'a informé de votre prochaine mission, Majesté. Nous avons découvert un point d'accès à la base impériale. Je vais l'indiquer sur votre carte. Cette zone est particulièrement calme. Vous devriez pouvoir entrer discrètement par là. D'espoir. Hey Noct, prêt pour une baston vidéoludique? Encore King's Knight? Tu vas regretter ta proposition. Je peux pas vous laisser perdre tout seul. C'est la petite Cindy, en fait.
encore ? Un vrai boss. Pas la peine d'en faire une histoire. Salut. Salut. Alors, on fait une petite pause, mon prince? Ouais, si on veut. J'ai quelque chose à me demander? Non, t'inquiète pas. Je voulais juste te dire bonjour. T'as beaucoup de boulot en ce moment? Ouais, comme toujours. Mais aujourd'hui, j'ai un truc à faire. J'allais justement partir quand t'es arrivé. Un de nos clients m'a rapporté une nouvelle intéressante. Il paraît qu'il a vu une bouteille de lustrant très rare. Ça pourrait être pas mal pour la Régalia. Alors j'ai décidé d'aller la chercher. Te fatigue pas, on va y aller nous-mêmes. Vraiment? Ouais, après tout, c'est notre voiture. C'est vrai, mais... Bon, bah... Si ça vous dérange pas... Vous risquez d'avoir un peu de mal à la trouver, par contre. Pourquoi? Parce que ce client ne m'a pas dit exactement où il l'avait vue. On va chercher une bouteille de lustrant, aperçue dans un endroit dangereux? T'as tout compris. Mais c'est génial! Tu te rends compte que Cindy... T'es prête à faire ça pour nous? Elle est si douce. Bien, quel est le programme? Hé, Nob, en haut! C'est pas là que Cindy a dit qu'on trouverait le lustrant? Oui. Voyons ça de plus près. On n'y voit rien ici.
c'est ça? Ça a l'air vieux. Ah ouais, Lustran Aero. Tu connaissais, toi? Non, pas du tout. C'est pas étonnant, si ça fait 30 ans qu'il n'est plus en vente. Même Gladio est toujours en vente. Je tiens! Excellent, Gladio. Qu'est-ce que tu On avance. Ouais. On a besoin d'exercice. Ben dis donc, je savais pas que Kor était si balèze. J'aimerais pas être son ennemi. À partir de là, nous allons former deux groupes de combat. Prince Noctis, le maréchal vous attend un peu plus loin. Vous autres, venez avec moi. Nous allons attaquer en force pour créer une diversion. Bon, à plus tard, les amis. Noct, mets-leur la misère. Nous, on fera pareil de notre côté. S'ils font diversion, nous aurons plus de facilité à frapper vite et fort. L'Empire ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Ah!
La vie est plus facile avec peur dans les paradis. Compte pas trop là-dessus. Je serai pas toujours là pour te sauver la vie. Alors autant en profiter. Là-haut ! Ouais, compris ! Et les autres, tu crois qu'ils vont pouvoir s'en sortir ? Concentre-toi surtout sur notre mission. Ouais, ouais, d'accord. J'ai vu ça. Et ton attitude m'a empêché de me concentrer. J'aurais pu gagner tout seul. Surestimer est le plus court chemin vers l'échec. Noct! Je suis content de vous revoir, Maréchal. Alors, ça s'est bien passé pour vous? Comme sur des roulettes. L'Empire s'attendait pas à ça. Non, et encore moins notre duo. Corps l'immortel. Étonnant. Tu as donc réussi à t'échapper de la citadelle? Mais la légende de Corps ne survivra pas à ce qui t'attend ici. La fondation périmée va prendre fin aujourd'hui. Je sais. Je sais. Je sais.